Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Madame Aïtsala, si vous voulez bien vous installer, on va démarrer, vous êtes en face de moi. Au point numéro 1, il y a l'installation du conseil municipal. Je vais procéder à l'appel par ordre alphabétique des conseillers municipaux nouvellement élus. Madame Aïtsala Le Servoisier, Florence. Monsieur Thierry Atlan. Madame Avilès Corona Maribel. Monsieur Ba Saïdi. Monsieur Bagé Gini. Madame Stéphanie Barré. Monsieur Franck-Éric Baume. Madame Imen Benchek. Madame Nicole Duru Bérébi. Madame Nathalie Besnier. Présente. Monsieur Darman Bessami. Présente. Madame Karine Betayeb. Monsieur Philippe Bouriaki. Présente. Monsieur Sylvain Caplier. Présente. Madame Roselyne Charles Elinenson. Monsieur Thierry Chaudron. Présente. Monsieur Jean-François Chazotte. Présente. Madame Josiane Dautry. Monsieur Christophe Dissico. Présent. Madame Mylène Di Battista. Présent. Madame Sana El Amrani. Présent. Monsieur Yann Gilbert. Monsieur Alain Girard. Présent. Madame Gersh Cathy. Monsieur Ramzi Hamza. Madame Marilyn Erlin. Christine Janodet présente. Monsieur Hamid Kermani. Madame Malika Lemba. Monsieur Renaud Lerude. Monsieur Brahim Essassi va arriver en retard à donner son pouvoir à Madame Tanfouri. Monsieur Radjou Farid. Madame Kéra Sionis. Madame Noéline Tanfouri, Madame Vera Malika. Donc, nous avons un absent représenté et une absente non représentée. Je déclare installés dans leurs fonctions les conseillers municipaux de la mandature de 2020 à 2026. En point numéro 2, je vais demander à une personne de se désigner ou de se proposer en qualité de secrétaire de séance. Qui se propose ? Madame Benchek. Merci. Le point numéro 3. À présent, je vais passer la présidence de l'Assemblée au doyen d'âge selon l'article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit de M. Darman Bessami. Donc nous allons échanger de place. Bon, il est allumé. Oui, oui, c'est bon. Bon, on constate que les 30. On constate que les 35 conseillers sont présents, constate que le quorum est atteint. J'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Bon, je ferme le bureau de vote. Je forme le bureau de vote, c'est ça. Composé de deux assesseurs, le conseiller municipal le plus jeune de l'Assemblée, Saïdi Ba, et le plus ancien, Jean-François Chazotte. Y a-t-il des candidatures? Aïtsala ? Non.
comment il s'appelle ? Tu donnes la parole à qui ? De la part de qui ? Tu donnes la parole à... Je donne la parole à Itzala. On présente la candidature de Brahim Messassi. Et on donne la parole à Imen. Nous proposons la candidature de Madame Christine Jeannodet. Le groupe. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on propose cette candidature ? Pas pour l'instant. Chacun va maintenant. Vas-y. Maintenant. Chacun maintenant vote à l'appel de son nom. Alors, est-ce que... Donc là, on va vous inviter à voter. Donc l'urne va circuler. Je vais annoncer le nom au fur et à mesure. Oui. Donc l'urne est bien vide. Non. Vous avez un blanc et d'autres bulletins blancs sur lesquels vous allez inscrire le nom des personnes candidats au poste de maire. Non, on va commencer déjà par faire le vote. Donc, on commence par Jean-François Chazotte. Barré Stéphanie. Atlan Thierry. Elamrani Sana. Baume Franck-Éric. Chaudron Éric. Thierry, pardon. Avilès Corona Maribel. Erlin Marilyn. Bagé Ginny. Vera Malika. Jeannodet Christine. Charlélie Nelson Roselyne. Ba Sedi. Lemba Malika. Messassi Brahim, Tanfouri Noéline, Bouriaki Philippe, Aïtsala le Cervoisé, pardon, Florence, Caplier Sylvain, Gersh Cathy, Dissico Christophe, Duru Bérébi Nicole, Sionis Keira, Gilbert Yann, Di Battista Mylène, Lerude Renaud, Dautru Josiane, Hamza Ramzi, Girard Alain, Betayeb Karine, Radjou Farid, Besné Nathalie, Kermani Hamid, Benchek Imen, Bessami Daman. Maintenant, on va procéder au dépouillement. Monsieur Ba. Monsieur Ba et Monsieur Chazotte. Thank you.
Christine Janadet. Christine Janadet. Christine Janadet. Christine Janadet. Où est l'écharpe, Eman? Elle est en bout de table, c'est la toute première là-bas. D'accord, on coupe la caméra. Christine Janadet. 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 Brahim Nessasi. Brahim Nessasi. Brahim Nessasi. Monsieur Nessasi. Brahim Nessasi. Brahim Nessasi. Bulletin blanc. Christine Janadet. 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 Bulletin blanc. Christine Janadet. Combien qu'il y a? 27 voix. 27. 27 pour Christine. 2 voix. Et la voix. Non. Madame est élue, Madame Janadet, par 27 voix. C'est tout. Thank you.
Christine Janodet, 27 votes pour elle. Brahim Messassi, 6. Et Bulletin Blanc, 2. Il marche ? Oui, vas-y. Bon. On y va ? Bon, madame Christine Janodet est élue avec 27 voix. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers concitoyens, je remercie le président de séance, Darman Bessamy, qui a joué avec brio son rôle de maître de cérémonie. Je suis très heureuse de la confiance que vous m'avez renouvelée et que les Orlysiens m'ont renouvelée. Dès demain, l'équipe qui m'accompagne se mettra au travail afin de concrétiser nos engagements pour Orly, porter et défendre les intérêts des Orlysiens de notre ville. Afin de respecter les délais qui nous ont été imposés, notamment par l'installation du Conseil territorial et le Conseil métropolitain, nous avons ajouté à l'ordre du jour de notre Conseil d'installation l'ensemble des points relatifs aux différentes représentations. Une fois que nous aurons élu les adjoints au maire et les adjoints de quartier, je ferai une interruption de séance afin de vous laisser la parole. Notre Assemblée va maintenant procéder à l'élection des maires adjoints et des adjoints de quartier. En application des articles L21-22-1 et L21-22-2 du Code des délibérations antérieures, la commune disposait de 10 adjoints au maire. D'autre part, le conseil municipal, par l'article du L21-43-1 du Code, peut créer des postes d'adjoints chargé des quartiers. Par délibération antérieure, la commune disposait de 3 adjoints de quartier. Je vous invite à procéder à la création de 10 postes d'adjoints au maire et de 3 adjoints de quartier. On va procéder aux voix. On distribue le bulletin pour tout à l'heure. Qui est pour cette proposition de 10 adjoint plus 3 de quartier. Qui est pour ? Levez la main. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 8. Merci. Le point numéro 5, élection des adjoints. En application des articles du Code, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Il y a d'autres listes de candidats que celles proposées par la majorité ? Je n'entends pas de proposition. Donc nous allons passer aux voix, au vote plus exactement. Bonjour madame, j'ai oublié de vous saluer. Avec appel du nom. Jean-François Chazotte, Stéphanie Barré, Monsieur Atlan, El Amrani Sana,
Franck-Éric Baume. Thierry Chaudron. Maribel Corona Aviles. Excusez-moi. Je n'ai plus l'ordre. J'en étais où? Marilyn Erlin. Baj Gini. Vera Malika. Bessamy Daman. Charlely Nelson Roseline. Ba Sedi. Lemba Malika. Messassi Ibrahim. Tanfouri Noéline. Bouriaki Philippe. Aïtsala Le Servoisé Florence. Capillé Sylvain. Gersh. Gersh Cathy. Dissico Christophe. Durubu Berry Berébi Nicole. Sionis Keira. Gilbert Yann. Di Battista Mylène. Leroux Renaud, Josiane Dautry, Hamza Ramzi, Girard Alain, Betayeb Karim, Radjou Farid, Bessinier Nathalie, Kermani Amin, Benchek Imen, Janodet Christine. Le bureau pour le dépouillement, s'il vous plaît. Vas-y, compte, ça a été aussi. Adjoint proposé par Madame la maire, donc je ne vais pas dire tous les noms, je dis simplement peut-être le premier et le dernier, Jean-François Chazotte, Maribel Aviles. Non, mais si c'est la liste, tu donnes la liste de la majorité, liste de majorité. 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 Liste de majorité.
liste de la majorité. Liste de 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 majorité. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Liste de la majorité. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Majorité. 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 Pour la majorité 28, bulletin blanc 7. Sont élus, merci pour le bureau, sont élus adjoints au maire Jean-François Chazotte, Imen Benchek, Stéphanie Barré, Hamid Kermani, Nathalie Besnier, Thierry Atlan, Sana El-Amrani, Farid Radjou, Karine Betayeb, Franck-Éric Baume. Sont élus adjoints de quartier Alain Girard, Thierry Chaudron, Maribel Avilès Corona. Chazotte. Madame Barré.
Par souci de transparence, bien que je n'ai pas encore signé les arrêtés, je souhaitais informer l'Assemblée des délégations que j'envisage de donner aux maires adjoints et conseillers municipaux de la majorité municipale
municipal. Jean-François Chazotte aura en charge l'urbanisme, l'aménagement, les travaux et la tranquillité publique. Imen Benchek aura en charge la petite enfance, l'éducation, l'enfance, la restauration et la réussite éducative. Stéphanie Barré aura en charge la santé et la prévention. Hamid Kermani aura en charge la citoyenneté, la jeunesse et les sports. Nathalie Besnier aura en charge la culture, la vie associative, l'égalité femmes-hommes, le jumelage, la mémoire et les archives. Thierry Atlan aura en charge les affaires générales, la relation aux citoyens et la planification financière. Karine Betayeb aura en charge les solidarités, l'accès aux droits et l'autonomie. Farid Radjou aura en charge les ressources humaines, les instances paritaires, la formation professionnelle. Franck-Éric Baume aura en charge le développement durable, la transition écologique et l'environnement, ainsi que l'hygiène et la sécurité. Sana El Amrani aura en charge le développement économique, le commerce et la politique de l'emploi. Alain Girard sera président du Conseil de quartier Est. Thierry Chaudron sera président du Conseil de quartier Ouest. Et Maribel Avilés-Corona sera présidente du Conseil de quartier Centre. Pour ma part, j'aurai en charge les finances, la communication, les grands projets urbains, l'habitat, la politique de la ville et le nouveau projet de renouvellement urbain. Pour les conseillers municipaux, chacun aura une délégation. Marilyn Herlin aura en charge l'hygiène et la sécurité, l'accessibilité, la mobilité, les déplacements. Ramzi Hamza aura en charge les grands projets urbains et la politique de la ville. Josiane Dautry aura en charge le jumelage et la coopération décentralisée. Ginny Bagé aura en charge les solidarités. Malika Vera aura en charge la petite enfance. Renaud Lerude aura en charge la gestion urbaine de proximité. Mylène Di Battista aura en charge le projet d'administration et la démarche qualité. Dartman Bessamy aura en charge la sécurité des bâtiments et des ERP. Roselyne Charlélie-Nelson aura en charge la vie scolaire et l'action éducative maternelle. Yann Gilbert aura en charge la formation professionnelle et l'insertion par l'emploi. Kerasioni sera en charge l'autonomie. Saïdi Ba aura en charge l'accompagnement vers l'égalité des chances. Malika Lamba aura en charge la réussite éducative. Je vais maintenant vous faire la lecture de la charte de l'élu. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Vous en avez tous eu une copie, je pense, dans votre dossier. Comme évoqué tout à l'heure, j'interromps maintenant la séance afin de permettre donc des interventions de M. Dissico, de M. Messassi, de M. Bouriaki, de Mme Aït Salah, de Mme Benchek, de Mme Besnier et de M. Atlan. M. Dissico, à vous la parole. Merci.
Madame la maire, mesdames, messieurs, chers collègues, en ce jour solennel d'installation du conseil municipal avec ma commissaire, madame Nicole Duru-Bérébi, nous prenons la parole d'une seule voix au nom de Orly Ensemble pour dire merci aux électeurs qui nous ont fait confiance et qui nous permettent de siéger en tant qu'élus et conseillers municipaux de l'opposition. Même si nous regrettons que l'abstention soit la grande gagnante de cette élection, nous saluons votre victoire, madame la maire, et souhaitons bien évidemment la réussite de notre ville. Néanmoins, avec 8 listes en liste au premier tour, puis 3 au second tour, Orly a fait entendre son envie de changement et de renaissance. Avec Orly Ensemble, nous avons choisi de prendre part à l'écriture d'une nouvelle page et nous nous sommes présentés au scrutin. Au regard des scores, Orly vient de découvrir qu'une alternative était possible et qu'il faudra dorénavant composer avec nous ces prochaines années. Si nous acceptons ces 2 sièges, c'est pour nous retrousser nos manches, et consacrer notre énergie à redonner foi aux Orlésiens, foi en leur ville, foi en leurs élus et foi en les politiques publiques. Nous disons merci aux assesseurs délégués, aux présidents du bureau de vote, au personnel administratif qui ont permis le bon déroulement de cet exercice démocratique qui s'est tenu dans des conditions inédites. Nous disons merci à toute notre équipe pour la détermination et l'engagement dont elle a fait preuve durant toute cette campagne. Nous avons une pensée pour Olivier Glonikowski, investi par la droite républicaine avec qui nous avons eu le plaisir de conduire notre liste. Nous lui disons merci pour son engagement à nos côtés et son soutien dans les valeurs centristes et républicaines qui nous unissent. Nous regrettons qu'il ne puisse avoir d'autres, avec d'autres de notre liste siéger à nos côtés et mieux représenter avec nous les partis et mouvements qui nous ont soutenus et appuyés dans notre campagne. Nous revenons néanmoins sur les conditions dans lesquelles cette campagne s'est déroulée, campagne que toutes et tous souhaitions propre, mais marquée par le manque manifeste de respect des règles, le manque de fair play dont les équipes adverses ont pu faire preuve, allant jusqu'à nous recouvrir pour nous arracher vendredi après minuit. La campagne est terminée. L'avenir est à notre porte. Nous faisons table rase de tout cela, nous mettons au travail au privilège de notre vie. Soyez assurés, madame la maire, mesdames, messieurs, chers collègues, qu'avec Nicole Duru-Bérébi, en tant qu'élu de la République, chacun indépendant et responsable de ses décisions, avec la hauteur que cela nécessite, nous saurons être au service et à l'écoute de notre commune, notre bien commun, des Orlésiens sur le terrain, là pour faire grandir notre opposition, notre vision de la ville, représenter les valeurs du centre et de la droite républicaine, nos 483 électeurs, répondre lorsque nous y sommes invités, assurant une opposition vigilante, intelligente, cordiale, constructive et sereine pour les 6 années à venir. Merci pour votre attention. Monsieur Messassi. Monsieur Bouriaki. Ah, ça commence, voilà. Bonjour. D'abord, je m'excuse de ne pas pouvoir respecter le temps qu'on avait défini, mais comme vous le savez, chers collègues, je suis comme 80% des gens qui sont en situation de handicap. Ça ne se voit pas. Je suis dyslexique et donc ça me met un petit peu plus de temps pour moi pour lire quelque chose et donc je m'en excuse d'avance. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Tout d'abord, je tiens à remercier les femmes et les hommes de l'ombre, celles et ceux qu'on ne voit jamais, mais indispensables au bon fonctionnement de notre ville. J'ai une pensée profonde et sincère pour nos agents communaux. C'est avec une grande fierté, une immense joie et en même temps une énorme responsabilité que j'accepte le mandat qui m'a été confié par les Orlésiennes et les Orlésiens. J'ai une pensée pour ma maman et mon papa. Et je m'engage à le faire avec la plus grande rigueur dans l'intérêt suprême de notre ville. Je voudrais remercier les 459 Orlésiennes et Orlésiens qui, au premier tour des élections municipales, ont porté leur confiance et leur soutien à la liste Ensemble, construisons notre avenir. Liste du rassemblement des citoyens et des écologistes que j'ai eu l'honneur de conduire. Je voudrais aussi remercier les 1307 Orlésiennes et Orlésiens qui, au deuxième tour, ont porté leur confiance et leur soutien à la liste Agir Ensemble pour Orly, conduite par Brahim Messassi. En 2014, notre liste de rassemblement du deuxième tour s'appelait déjà Agir Ensemble pour Orly. J'en profite pour... J'en profite aussi pour remercier tous nos colistières et nos colistiers de nos différentes listes du premier tour et une pensée émue pour Philippe Ménager. Sans eux, rien n'aurait été possible. Du fond du cœur, merci. Madame la maire, chère Christine, chers collègues,
ne pensez pas un instant que nous serons dans l'opposition systématique. Nous serons un groupe de construction. À chaque fois qu'un rapport, une proposition ou une délibération sera dans l'intérêt des citoyens, nous la porterons et nous la ferons nôtre. Mais si une décision, une délibération serait à l'inverse de l'intérêt général, nous serons là pour la dénoncer, les combattre. Soyez sûrs, chers collègues, comme tout bon légionnaire, nous serons et je serai en première ligne. La bague verte des municipales s'est arrêtée aux portes d'Orly, malheureusement. Pour l'instant, patience, 2026, c'est déjà demain. De façon plus personnelle, je voudrais m'adresser à toi, Christine. Certains de tes collègues peuvent être surpris que je t'appelle par ton prénom. Ils vont sûrement être surpris d'apprendre qu'entre toi et moi, c'est une grande histoire. Premièrement, quel scoop ! D'amour. Mon mari ne regarde pas le live, heureusement. Non, mais vraiment passionnel pour notre vie, chacun à sa manière. Deuxièmement, on ne doit pas être très nombreux autour de cette assemblée à se rappeler la date et te souhaiter ton anniversaire. On n'est pas aussi très nombreux autour de cette assemblée à avoir plus que mouillé sa chemise en 2015 pour te permettre de rester conseillère départementale à 76 voix. Comme quoi, chaque voix compte. Mais on fait tous des erreurs de jeunesse. L'objectif, c'est de ne pas les recommencer. Et c'est pour cela que je te demande solennellement d'abandonner les projets fous, ceux de bétonner le Bois-Guignon et de passer de 22 000 à 35 000 habitants, de prendre soin de la santé physique et psychique de nos agents et pour ne plus faire pour, mais avec. Christine, j'ai pu entendre chuchoter en catimini des personnes très intéressées par ta réélection au sens propre comme au sens figuré. Tu sais, les mêmes qui salissaient il y a 6 ans. Donc je les ai entendus me qualifier du titre du bouffon du roi. Ils sont misogynes et pas féministes, parce qu'ils auraient dû dire bouffon de la reine. Ils auraient au moins pu me gratifier de ça. Je voudrais leur dire qu'à la cour, la seule personne qui peut ouvertement rire, se moquer ou critiquer la reine, c'est justement le bouffon. Et qui le fait toujours en caricaturant ou en paradiant les ennemis de l'intérieur. À la différence de ces gens-là, je peux être partisan, mais je ne serai jamais courtisan. Apprenez, Majesté, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je conclurai par 3 choses. La première, c'est une citation de Voltaire, reprise par un célèbre Al Capone, qui disait « Mon Dieu, gardez-moi bien de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. » Selon la légende, on est toujours trahi par les siens. Alors j'en profite pour lui demander de protéger Orly de ses faux amis de l'intérieur. La deuxième, à la veille du 5 juillet, date de la commémoration de l'indépendance de la République, je te demande, chère Christine, d'inscrire officiellement au calendrier mémoriel les commémorations du 17 octobre 1961, où plusieurs centaines de civils, hommes, femmes, enfants, vieillards ont été lâchement assassinés par la police française dans les rues de Paris sur ordre d'un certain sinistre préfet Papon. D'inscrire aussi à la date de l'agenda mémoriel l'autre 8 mai 45, où 45 000 civils, hommes, femmes, enfants et vieillards ont été lâchement torturés, assassinés, violés par l'armée des milices coloniales, Assétif, Guelma, Guerrata, le Constantinois et dans toute la Gêne. Non, Christine, le 8 mai, ce n'est pas le 19 mars. Le 8 mai, c'est le 8 mai. Rendons un hommage solennel pour faire vivre le devoir de mémoire, pour que plus jamais ça. Pendant que nous y sommes au chapitre des commémorations, peut-on arrêter de bâcler ou d'oublier et de commémorer comme il se doit la date du 10 mai, date du souvenir de l'abolition de l'esclavage et la traite du peuple africain. En effet, cette année, malgré le Covid, tu as commémoré le 28 avril, le 8 mai, mais pas le 10 mai. C'est dommage. Troisième et dernier point, je te demande de m'accorder les 10 secondes de silence que tu m'avais refusées à la fin du conseil municipal, le 21 décembre 2019, en hommage et à la mémoire de notre mère Gaston Vias. Madame, chers collègues, je vous remercie et je fais le vœu que nos travaux
au sein de notre Assemblée puisse permettre le rayonnement d'Orly. Vive la République, vive la France, vive Orly. Merci. Madame Aïd Salah. D'accord. Alors, chers collègues, ça va aller comme ça. Je remercie les électrices et les électeurs qui ont voté au premier tour pour notre liste Décidons Orly et au deuxième tour pour la liste Agir Ensemble pour Orly qui a contribué à ma présence ici avec vous. Je dédie cette première intervention à mon camarade de lutte, Pascal Requena, qui est décédé durant le confinement des suites d'un cancer. Donc on n'a pas pu faire un hommage, ni la famille n'a pu faire un hommage comme il fallait à Pascal, mais c'était normal qu'on ait vraiment pensé pour lui en démarrant ce premier conseil municipal. Pascal, c'était un humaniste, un anticapitaliste et un insoumis. Il a été au service des enfants et de leur famille plus de 12 ans en tant que directeur à l'école Paul-et-Loire, et il a vraiment marqué en fait une empreinte humaniste, pédagogique, éducative, de haut niveau dans le quartier de Paul-et-Loire. C'est avec plaisir que je siège au conseil municipal d'Orly pour les 6 années à venir. J'ai à cœur d'être à la disposition de tous les habitantes et tous les habitants d'Orly durant ce mandat en tant que conseillère municipale d'opposition du groupe Agir pour Orly que coordonne Brahim Messassi. Cela implique pour moi d'être à l'écoute des habitants et des habitantes, quels que soient les quartiers, et de relayer leurs attentes et leurs besoins au sein du conseil municipal. La fonction d'une élue n'a de sens que si elle est un porte-voix au sein du conseil municipal des réalités des gens, en fait, et des réalités locales. Moi, j'aurais rajouté, si on avait pu en discuter tout à l'heure, dans la charte de l'élu local, que quand on est élu, on a aussi, en fait, au-delà de rendre des comptes, on a en fait besoin aussi d'avoir des évaluations de son mandat. Donc je le dis là maintenant, mais en tous les cas, on aurait voulu intervenir de cette manière-là tout à l'heure, comme quand on met en place des indicateurs de bons mandats, si ce n'est pas bon, qu'on puisse révoquer aussi les élus. Je pense que dans cette charte d'élus, c'est ça qui manque. Je referme la parenthèse. J'ai à cœur de continuer à réfléchir et à lutter avec constance durant ces 6 ans avec le rassemblement d'Orlysiens et d'Orlysiennes de Décidons Orly. Ce rassemblement regroupe des citoyens et des citoyennes issus du mouvement associatif, syndical, des Gilets jaunes et de tous ceux qui ont lutté contre la politique de Macron hier, avant le confinement et aujourd'hui encore, et son mouvement En Marche, qui est plutôt un mouvement de recul. Je dédie donc toutes ces luttes contre la privatisation d'ADP, qui est encore en suspens, la réforme des retraites, la casse des services publics, les violences policières, l'absence de politique réelle pour le climat, pour l'emploi et pour la jeunesse, donc d'Emmanuel Macron. On a été beaucoup mobilisés entre toutes ces luttes qu'on menait nationalement, et on voulait vraiment qu'elles aient des points d'attache au local, parce qu'il y a beaucoup de points d'attache au local. Et c'est certainement ce qui fait notre différence entre le positionnement à gauche que vous avez et celui qu'on a, que ce soit dans la liste de Décidons Orly ou dans la liste Agir Ensemble pour Orly. J'ai à cœur de débattre au sein de mon groupe Agir Ensemble pour Orly, ainsi qu'avec vous toutes et tous du conseil municipal, pour amender et voter les prochaines délibérations municipales. Ces délibérations, qui représentent l'expression administrative de la politique municipale, donneront et ont déjà donné lieu à des oppositions de fond vis-à-vis de vous, de la majorité. J'espère cependant qu'il y aura des possibilités de voter à l'unanimité le meilleur pour les Orlysiennes et pour les Orlysiens. Avec la pandémie du Covid-19, nous ne sommes plus les mêmes, je l'espère. J'espère qu'on en tire des vrais enseignements. Les 55 jours de confinement ont été une parenthèse qui a révélé encore plus durement le mauvais état de notre démocratie et de notre société. Les inégalités sociales, territoriales, les effets de l'activité économique sur l'environnement nous appellent aujourd'hui à ne pas reprendre comme avant. C'est pourquoi je demande solennellement aux élus du conseil municipal, de la majorité et de nous-mêmes, et aussi de l'opposition avec Nicole Duru et M. Sicot,
et particulièrement donc la majorité municipale qui a les pleins pouvoirs aujourd'hui. Surtout là, je vois que ça ne va pas changer. En fait, vous prenez vraiment un grand élan de prise de plein pouvoir, de reconsidérer à la lumière du bilan du Covid-19 ses causes et les conséquences sur la vie des gens au quotidien et sur la planète, évidemment. Du point de vue de l'aménagement urbain, avec la création des deux quartiers durant le mandat, par exemple. Du point de vue des politiques éducatives, culturelles et sociales, par exemple. Avec particulièrement la question de l'accès à l'emploi et au logement. Ces questions-là, si on ne les revisite pas après Covid, on va en fait continuer comme avant. Donc il nous faut quand même vraiment une vraie remise en question de ce qui a été initialement prévu, y compris dans votre programme, me semble-t-il. Les résultats de ce deuxième tour, nationalement et particulièrement à Orly, sont éloquents. Les électrices et les électeurs de France ont mis au pouvoir le premier parti de notre pays, celui de l'abstention. Nous sommes là avec 32% de gens qui se sont déplacés. C'est-à-dire qu'ils et elles sont certains que leur vote ne sert à rien, ils ne se déplacent plus, ils n'ont plus envie de représentants, y compris localement, ce qui est très grave. Pour ces deux grandes raisons, nous devons changer la façon de faire de la politique. C'est une urgence vitale pour notre démocratie. Nous sommes élus toutes et tous ici avec une participation, donc je viens de le dire, de 32% des inscrits. Il y a donc un gouffre entre nous et la majorité des électrices et des électeurs. Ce qui m'afflige, c'est que finalement la majorité municipale est déjà repartie comme avant, bon, je refais une redite, sans envie de considérer ce qui se passe dans notre ville. Il faut se poser la question d'une telle défiance de nos concitoyens vis-à-vis de la vie démocratique locale. Ce que nous venons de voter est un moment important de l'organisation municipale pour 6 ans. Alors, je pensais que l'intervention arrivait à la fin de tout ça. Mais je pense que, de toute façon, on ne va pas avoir de débat sur les autres délibérations. C'est bien ça, Madame Jeannodet. Continuez votre propos. Bon, donc, on n'a pas d'échange. C'est les pleins pouvoirs dans les mains d'une seule personne, Madame Jeannodet ici présente, avec des délibérations qui lui donnent le quitus sur beaucoup de choses et sur beaucoup trop de choses. Et c'est ça qui désespère les gens. C'est qu'une fois que c'est entériné, on ne peut plus rien faire pour 6 ans à venir. Donc c'est une grande lassitude qui s'installe chez les électeurs. Et si on ne fait pas un autre signal, ça va être pire. Et ce pire peut nous emmener au pire aussi, c'est-à-dire aux idées courtes et au fascisme. Parce qu'à un moment donné, les gens, il faudra bien qu'ils expulsent toute leur rancœur et leur frustration. Et là, ça sera le moment des idées courtes. C'est pour ça que c'est solennel ce que je suis en train de vous dire. Une démocratie locale sans ses électrices et électeurs et sans ses habitants, ce n'est pas une démocratie. La prise en compte des minorités que nous sommes en tant qu'opposition est inconcevable pour vous-même. Vous le faites, vous venez encore de le dire, de l'exprimer. Et c'est ça qu'il faut changer. Je pense que pour gagner, il faut qu'on soit tous ensemble, et y compris que l'opposition puisse avoir une place en tant que minorité dans les débats, mais aussi dans l'exécution de ce qui va être mis en place au niveau du conseil municipal. Avec vous, nous sommes dans le vieux monde, cette 5e République qui installe des pouvoirs pyramidaux loin des gens. Concernant l'urgence sociale et climatique, là encore, faire comme avant annonce des catastrophes. Les milliers d'emplois détruits de l'activité aéroportuaire, ou alors l'annonce de la fermeture de l'usine Renault a choisi le roi. Les milliers d'emplois qui vont être détruits dans le commerce, on sait, hein, on a la liste de toutes les grosses enseignes qui écrèment leurs salariés. Et puis ce qui va en découler dans les emplois induits, ça va vraiment nous impacter. Nationalement, mais ça va nous impacter. On va vraiment vivre des choses assez dures socialement. Ça veut dire que nous devons inclure dans le conseil municipal les besoins des foyers d'Orly qui seront impactés cruellement par cette crise qui va aller crescendo. Le conseil municipal doit prendre la mesure de l'urgence de cette situation, et ça veut dire qu'il faut actualiser les orientations budgétaires, actualiser les choix de gouvernance et les projets urbains pour les 6 ans à venir. On ne peut pas faire autrement qu'actualiser en intégrant cette urgence. Nous sommes conscients, me semble-t-il, de l'urgence climatique. Là encore, il nous faut travailler avec les habitants et surtout avec les instances de gouvernance du territoire et de la métropole du Grand Paris. Assez de bétonnage, assez de concentration urbaine. Les projets d'aménagement prévus par la métropole du Grand Paris vont augmenter le nombre d'habitants
et on sait, ça va être ces vecteurs d'inégalité, on l'a vu, avec la crise de... ça s'est révélé encore plus avec la crise du Covid, et ces vecteurs de réchauffement climatique. Donc on n'est pas dans, on n'est pas du tout dans ce qu'il faut faire. Je fais le vœu ici que nous puissions toutes et tous prendre conscience de la nécessité de faire un pas de côté, de réfléchir, d'ouvrir le dialogue avec les habitants, d'entendre leurs besoins. Pour décider d'Orly, pour décider qu'Orly devienne une ville réellement résiliente, démocratiquement, socialement, économiquement et écologiquement. Il nous faut tout faire pour ralentir la cadence de l'aménagement urbain qui n'inclurait plus les salariés de première cordée. Je pense à tous ceux qui ont continué à travailler, femmes de ménage, sécurité, les smicards et les sous-smicards qui sont allés au boulot pendant le confinement et qui n'ont pas accès à des logements parce que les loyers sont trop chers quand ils sont en demande de logement. C'est à ceux que je pense. Donc il faut répondre à leurs demandes. 1800 foyers. Il nous faut ralentir les échanges économiques, Madame Jeannaudet, ralentir la cadence du capitalisme qui tue habitants et environnement. Et on est un levier. Les communes peuvent être un levier. Et vous siégez dans pas mal d'instances institutionnelles où vous êtes au milieu de tout ça en tant que maire d'Orly. Orly n'est pas n'importe quelle ville. On peut être un levier. Et pour finir, je pense aussi qu'on peut être un levier par rapport à la 5G. La 5G s'est installée sur notre territoire. On est certain à lutter contre l'installation de Linky chez nous, mais je sais que c'est entériné dans les collectifs. La 5G va accélérer les échanges économiques. Échanges économiques, le grand déménagement du monde, comme dit Mathilde Panot, ça veut dire vraiment le réchauffement climatique, mais à toute barzingue. Donc on n'a rien compris. On n'a rien compris si on ne stoppe pas cette histoire. Madame Jeannaudet, je m'excuse, mais moi je ne suis pas un toutou, mais rien du tout. Je ne sais pas pourquoi vous tapez sur votre micro. C'est insupportable. Non. Insupportable. Non. Aussi, je fais le vœu que notre conseil municipal soit utile pour les 6 années à venir, à nos concitoyens et à nos concitoyennes d'abord, et pas à nous, bien sûr. Voilà. Moi je suis désolée, j'ai du mal, hein. Qu'on me rappelle comme ça par le micro. Mais il faudra vous y habituer si vous ne respectez pas les règles. Je ne pense pas, madame. Je ne pense pas. Je voulais juste à ce propos remercier M. Dissico qui a été le seul à se plier à la règle qu'on avait demandée. M. Bouriaki a expliqué le pourquoi c'était un peu plus long. Mais entre un peu plus long, puisqu'on avait demandé par respect aux personnes qui travaillent et qui sont parmi nous aujourd'hui d'avoir en moyenne 2 minutes d'intervention... Je remarque que vous avez fait plus de 10 minutes. Donc, ça présage beaucoup de bonnes aventures pour la suite. Madame Benchek. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je sais pas si on... Tout d'abord... Non. Il est éteint, ton micro. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite tout d'abord remercier les Orlysiennes et les Orlysiens qui ont apporté leur soutien et qui ont permis à notre liste Orly pour tous d'être en tête. Je tenais également à féliciter l'ensemble de l'équipe pour cette victoire et cette belle campagne électorale. Et bien sûr, féliciter tout particulièrement Madame la maire pour sa réélection à la tête de notre ville. Je ne reviendrai pas sur le contexte si particulier de ces élections et les résultats qui, malgré un taux d'abstention record que nous regrettons tous, sont sans appel en faveur de notre équipe et de notre projet. Aujourd'hui, ce qui compte pour nous tous autour de cette table, c'est de servir Orly et tous ses habitants, travailler dans l'intérêt général pour un service public de qualité et pour toutes les Orlysiennes et tous les Orlysiens, quels qu'ils soient, quel qu'ait été leur vote. C'est bien là l'essence même de notre engagement et l'essentiel de ce qui nous réunit ce matin. Notre groupe Gauche citoyenne mesure à la fois l'honneur qui nous est fait, mais également son importance et la responsabilité qui nous incombe pour l'avenir de notre ville. Et nous savons pouvoir compter sur un service public de qualité avec des agents investis et mobilisés pour nous accompagner dans cette mission. Nous sommes des élus de proximité et en tant que maire adjointe réélu, pour moi l'engagement d'élu est avant tout une aventure humaine où l'humain est au centre de tout. Ce nouveau mandat va nous permettre, avec nos anciens et nos nouveaux collègues, d'œuvrer et de poursuivre notre action et nos projets avec passion et ambition pour Orly et ses habitants, mais aussi avec exigence et sens de la gestion. Je
continuer, aux côtés de Madame la maire, à faire d'Orly une ville solidaire, attractive, qui donne envie d'y vivre, de s'y retrouver. Une ville pour tous, tout en donnant une place pour chacun, et où chacun a les mêmes chances de réussir. Merci Madame la maire pour votre confiance, et vous pourrez compter sur toute l'équipe pour vous accompagner dans cette belle mission au service des Orlysiennes et des Orlysiens. Merci de votre attention. Madame Besnier. Mes chers collègues, au nom du groupe communiste et partenaires, je voudrais féliciter Christine Jeannodet pour son courage d'avoir mené une campagne électorale responsable. Juin 2020 n'est pas l'aboutissement d'un parcours, mais bien la poursuite d'une belle aventure. Une aventure qui a débuté en 2009 avec une femme de valeur, une femme droite dont le courage est exemplaire. D'une certaine façon, je dirais que ces mois particulièrement éprouvants ont mis en évidence ses qualités de premier magistrat pour que le service public communal vienne en soutien à des Orlysiens meurtris, touchés, inquiets durant la période de confinement. La solidarité, qui est une valeur de l'identité de notre ville, s'est largement exprimée. Le programme de notre liste Orly pour tous inscrit pour 6 ans des engagements qui confirment cette solidarité. Il prolonge l'action menée par la majorité municipale au cours du mandat précédent. Je dirais qu'il est sur le fond aussi dans la continuité de l'action menée par Gaston Viens. Priorité aux familles, aux enfants, aux jeunes, à nos aînés, à l'ensemble des Orlysiens et Orlysiennes. Avec un gouvernement qui épouserait les choix que notre ville fait, nous compterions beaucoup moins d'Orlysiens en difficulté. Si l'État n'avait pas privé la ville de plusieurs millions d'euros, les ressources de la commune auraient permis de développer, moderniser davantage les services à la population. Ces difficultés, Orly les a surmontées et demeure une ville solidaire qui prend parti pour l'emploi. Nous soutenons tous les dispositifs existants pour la formation des jeunes et leur insertion professionnelle. Orly est une ville qui développe sur son territoire l'accès à la santé, à la culture, au sport, qui accompagne et valorise la vie associative. Orly, c'est aussi une solidarité active qui s'est exprimée contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Une solidarité et une exigence pour que les aides financières de l'État maintiennent les emplois. Citons le cas dramatique des salariés de l'usine Renault Choisy. Les résultats de dimanche dernier nous encouragent à poursuivre notre projet et à l'enrichir avec les Orlysiens. Orly est une ville aux multiples visages, forte de ses cultures, de ses talents. Orly est une ville dynamique, permettant l'épanouissement de tous, quel que soit notre âge, notre niveau social ou notre origine. Une ville où nous nous engageons à travailler au service de la collectivité pour le bien de tous les Orlysiens. Comme Antoine de Saint-Exupéry l'a écrit, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Modestement, nous souhaitons participer à l'écriture de ce futur et rendre ce possible meilleur pour nombre d'entre nous. Je souhaite une nouvelle fois, au nom de mes collègues du groupe communiste et partenaires, exprimer à Christine Jeannodet notre profond respect, notre amitié. Christine, tu peux compter sur notre engagement. Merci. Monsieur Thierry Atlan. Pour les gens de mon groupe, c'est un immense honneur. Retire ton masque, Thierry, ça sera plus facile. Groupe, c'est un immense honneur, une immense joie de continuer le travail qui a été fait dans la bonne direction, qui est un travail de gauche, réformiste et écologique. Travail de gauche parce qu'on maintient un service public de très grande qualité, très accessible au plus grand nombre, que n'ont pas les villes qui nous entourent, que n'ont pas l'immeuble roi, que n'ont pas Thiers. Ensuite, l'environnement, ce n'est pas qu'un vain mot. On a fait beaucoup de choses, on vous le démontrera. Mais surtout, on maintient pour cette municipalité l'idée de développer la commune tout en préservant l'environnement, en construisant.
construisant là où effectivement on peut construire et là où c'est raisonnable et là où on peut pallier demain aussi aux besoins sociaux de nos concitoyens qu'est le logement et la grande souffrance qu'il y a au quotidien. Donc voilà aussi une raison fondamentale pour laquelle je me retrouve dans cette municipalité de gauche, mais réaliste. Et réaliste aussi sur quoi ? Sur le budget. Parce qu'effectivement, on a pu faire ce budget-là avec une très grande rigueur. Et si demain, on a des équipements importants dans les écoles, pour les enfants, pour réduire les inégalités en matière de réussite scolaire et mettre l'accompagnement qu'il nous faut, c'est parce que nous avons travaillé, parce que Christine a bien géré, Christine et ses collègues ont bien géré la commune, on a pu épargner, on a cette rigueur. Donc on a une gauche écologique, sérieuse et rigoureuse. Mes chers collègues, madame, monsieur, l'élection municipale aurait été tout à fait particulière. En pleine épidémie de Covid-19, elle aura été marquée par une abstention record, beaucoup d'entre vous l'ont fait remarquer. Je l'ai dit, je le répète, l'abstention est un vrai fléau pour la démocratie. Pour autant, les électeurs ont choisi la liste que je conduisais pour présider aux destinées de notre ville pour les 6 prochaines années. Pendant 6 ans, chacun des 27 élus de la majorité municipale aura à cœur d'honorer la confiance qui nous lui a été faite par les Orlysiens. Ensemble, nous créerons une ville nature au visage toujours plus humain, solidaire et de préparer la ville de demain. Pour cela, si les élections ont pu mettre en lumière nos différences, je pense que nous saurons les mettre en sommeil dans l'intérêt des Orlysiens, ça a été rappelé par beaucoup d'entre vous. Je m'engage à faire de cette assemblée un lieu de débat respectueux de l'opposition, si l'opposition respecte les règles, bien évidemment. Aussi, j'ai décidé de convier les représentants de l'opposition au travail autour de la mise à jour du règlement intérieur du Conseil municipal. Chacun aura sa place, mais que sa place. Maire de tous les Orlysiens, je m'engage d'une façon générale à être attentive à vos remarques, à vos propositions, dès lors qu'elles seront motivées par le souci du bien commun. Durant ces 6 prochaines années, nous aurons à relever de grands défis et à mettre en œuvre les beaux projets pour améliorer la vie des Orlysiens. Pour y parvenir, nous avons la chance d'avoir un personnel municipal de qualité et un service municipal apprécié par les Orlysiens. Ce service public, j'aurai à cœur de le protéger et de le faire évoluer pour qu'il réponde encore mieux aux attentes de la population, tel qu'il a su le faire pendant la crise sanitaire que nous venons de traverser. Et je voudrais qu'on les applaudisse. Nous allons maintenant reprendre la séance. Nous avons un certain nombre de points où le vote est réglementaire, à bulletin secret. Conformément aux dispositions de l'article L2121-21, je propose à notre Assemblée de ne pas procéder au scrutin secret, mais de voter pour les autres votes à main levée. Et donc, je mets cette proposition au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour le vote à main levée, sauf pour les, forcément, points où le bulletin secret est obligatoire. Le point numéro 7 concerne la fixation des indemnités aux fonctions d'élus. En application des articles du Code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints perçoivent des indemnités de fonction brute mensuelles dont le montant est déterminé par un pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle des rémunérations de la fonction publique différent selon la strate démographique de la collectivité. De ce fait, le montant des indemnités de fonction est celui de la strate démographique de 20 000 à 49 999 habitants. Par ailleurs, la ville d'Orly satisfait aux critères définis pour prétendre à une majoration des indemnités de fonction en sa qualité de chef-lieu de canton, majoration de 15%, et au titre de l'attribution de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Il s'agit d'un pourcentage maximum de 110% pour le maire et de 44% pour les adjoints. Le conseil municipal peut, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale, décider de l'indemnisation des conseillers municipaux.
En revanche, ceux ne disposant pas de délégation ne peuvent y prétendre. Les propositions concernant les montants d'indemnité avec l'application des majorations sont pour le maire un total d'indemnité brute de 4188,87 €, aux adjoints 1442,96 € et aux conseillers municipaux délégués 400,61 € brut toujours. La municipalité propose de maintenir les montants d'indemnité équivalents à ceux versés lors du précédent mandat en fixant des taux d'indemnité pour le maire et les adjoints inférieurs au plafond réglementaire, soit 94,5% pour le maire au lieu de 110 et de 32,9% pour les adjoints au lieu de 44. Il est donc demandé au Conseil municipal de voter le montant des indemnités et de se prononcer sur l'application des majorations. Je passe aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Il n'y a pas de débat, donc on va faire les délibérations sans débat. Absolument. Oui. Absolument. Oui. D'accord. Donc, combien d'abstentions ? 1, 2, 3, 4, 5. Qui s'abstient ? Non, c'est des abstentions. Qui est vote contre ? Pas de compte. Les votes pour ? C'est par différence. On est bien d'accord ? Madame ? Abstention ? Alors, donc, on va faire 7. 2, 4, 6, 8 abstentions donc. On est d'accord ? Ok. Non, mais c'est le rodage, ça va aller après. Le rapport numéro 8, il s'agit des fixations des indemnités pour frais de représentation du maire. L'article L2123-19 du Code général des collectivités locales prévoit que les conseillers municipaux peuvent voter sur les ressources ordinaires des indemnités aux maires pour des frais de représentation. Je vous propose, il est proposé au Conseil municipal de valider le choix de la municipalité qu'aucun frais de représentation ne me soit octroyé pendant l'exercice de mon mandat. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Rapport, vous abstenez sur le fait que je ne prenne pas de frais de représentation ? Alors, écoutez, vous faites ce que vous voulez, puisque de toute façon, c'est un vote libre. Hein ? Donc, qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Monsieur Dissico. Vous vous abstenez ? Non ? Qui vote contre ? Non ? Donc, tout le monde est d'accord pour que je me croie des gentils. Le rapport numéro 9, il s'agit des délégations qui me seront attribuées par vos soins, par le conseil municipal, compte tenu de l'article 2122-22 du Code général des collectivités publiques et territoriales, vous avez l'intégralité des choses qui me sont dédiées pendant la durée du mandat. Par rapport, pour ceux qui n'étaient pas là, par rapport à la délib précédente, je peux vous dire qu'il y a quelques modifications, le reste est essentiel. Il s'agit de l'article 1 au point numéro 7 qui me permet de modifier ou de supprimer des régies comptables. Avant, je n'avais le choix que de les créer. Le point numéro 16, page 5, c'est d'ester en justice afin de transiger avec un tiers, avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 5 000 habitants. Ça n'y était pas, on l'a rajouté. Et également, le point 26, qui est important, qui est de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions par décision et pas par délibération pour ne pas perdre de temps entre deux conseils. L'essentiel étant dit, le reste est à l'identique. Je passe aux voix. Qui est contre ? Donc, 6 contre. Qui s'abstient ? 2. Rapport adopté. Merci. Le rapport numéro 10 fixe le nombre de collaborateurs au niveau du cabinet et l'inscription des crédits. La loi nous permet d'ouvrir 2 postes de collaborateurs au cabinet. Je vous propose de maintenir ces 2 postes. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 2 abstentions ? Rapport ? Non. Donc,
8. Oui. Non, non, c'est pas débat, là, c'est des nominations. Donc, il y a deux abstentions. Ah ben, ça sera, c'est inscrit dans le budget, mais on vous les donnera. On vous les donnera, ça, c'est vrai. Donc, qui s'abstient ? 2. Qui vote contre ? Qui vote contre ? Donc, le reste vote pour. Merci. Le rapport numéro 11. Donc, il s'agit de désigner les membres qui vont siéger aux commissions d'appel d'offres. Donc là, c'est un vote à bulletin secret. Le Code des marchés publics donc, prévoit, notamment dans son article 2, que la commission est composée du maire ou de son représentant, qui sont présidents, et de 5 membres du conseil municipal, élus en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est proposé, donc, selon les mêmes modalités, les élections des suppléants, qui sont également au nombre de titulaires. L'élection des membres titulaires et des suppléants donne lieu à une même liste, sans panachage, ni vote préférentiel, et à bulletin secret. Donc, pour ce qui nous concerne, je recherche mon petit papier. Je ne vous ai pas passé la parole, madame, parce que vous ne l'avez pas demandé. Ben écoutez. C'est pas dans le code général des collectivités, ça. Vous vous rendez compte des délibérations qu'on est en train de ne pas débattre ? Donc, il s'agit du point 11. Pour la majorité, je propose en titulaire Madame Jeannodet, Monsieur Chazotte, Monsieur Atlan, Monsieur Baume, Madame El Amrani, Monsieur Chaudron. En suppléant, Monsieur Radjou, Monsieur Girard, Madame Benchek, Monsieur Kermani et Monsieur Hamza. Y a-t-il d'autres demandes de liste, de propositions de candidature ? Oui, vous pouvez. Votre liste ? Il faut écrire sur le bulletin blanc les personnes que vous voulez voir siéger dans cette commission. Non, ben non, vous ne pourrez pas. Vous en inscrivez au moins un. Oula. Il y a une table qui est tombée ? Ah bon. Donc. Donc, on refait dans l'ordre de la table, si vous voulez bien. Je vais demander aux membres du bureau de se préparer pour, s'il vous plaît. Hop. On va procéder au dépouillement. Ah. Ah, très juste. Mélangeons.
tablier. Liste d'adjoints. Liste majoritaire. Liste majoritaire. Liste majoritaire. Liste majoritaire. Sylvain Capillier. Monsieur Capillier Sylvain. Sylvain Capillier. Liste majoritaire. Sylvain Capillier. Liste majoritaire. 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 Sylvain Capillier. Liste majoritaire. Liste majoritaire. Liste majoritaire.
7 voix. Les autres, faut annoncer les autres. M. Dissico, 2 voix. M. Sylvain Cabrier, 6 voix. Merci. L'administration calcule. Alors, je ne comprends pas ce que me dit l'administration, mais je lui fais confiance et entièrement confiance. Il faut encore avoir un poste à pourvoir, donc il faut revoter. Il y a 3 postes qui ont été élus. 1 de M. Caplier, et il faut revoter. Je ne comprends pas pourquoi. Si on peut m'expliquer. C'est proportionnel. Mais on n'a plus de bulletin. Mais on va repasser effectivement les bulletins. On marque majorité ou... Voilà. Majorité ou un candidat de l'opposition. D'accord. Bon. Vous avez tout, vous avez compris ? Non. Donc, Sylvain, tu es élu. On a donc M. Chazotte, M. Atlan, M. Baume qui sont élus et M. Caplier. Et donc, il faut revoter encore soit pour la liste de la majorité, soit pour un autre candidat. Donc, majorité ou le nom de l'autre candidat. Si. Franchement, sous-enveloppe, s'il vous plaît. L'explication, c'est qu'il y a 3 listes. Vous avez des adducteurs très souples. Hein. Bravo le sport. Les membres du bureau, s'il vous plaît, de nouveau. Ils ont travaillé aujourd'hui.
Et on mélange les enveloppes. Remets les enveloppes, s'il vous plaît. Ah ben, t'as remis. Dissico. Monsieur Dissico. Christophe Dissico. Majorité. 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 Liste de la majorité. Dissico. Majorité. Majorité. Christophe Dissico. Liste majorité. Liste de la majorité. 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 Liste majorité. 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 Majorité.
Majorité. Majorité. Majorité. Majorité. Christophe Dissico. Bulletin blanc. Dissico. Et enfin Dissico. Alors, 26 voix pour la liste de la majorité, 8 voix pour M. Dissico et un bulletin blanc. Comment ? Monsieur Bourriachi. Madame Jeannet, je m'excuse, chers collègues. J'ai bien regardé votre liste. Je n'ai vu aucun nom. Liste de la majorité, je demande que les 26 votes pour la majorité soient des bulletins nuls. Puisque pour l'instant, c'est une éliminative, c'est pour ça. Donc, faisons un vote à bulletin secret. Je disais, excusez-moi. J'ai pas très bien compris. Pardon. Voilà, je disais que, justement, comme on fait un vote à bulletin secret, parce que c'est nominatif, on aurait le droit de rayer un nom, ou de marquer ce qu'on veut, ou de rajouter un autre. D'accord. J'ai bien regardé votre bulletin, alors je sais que je le fais de manière ironique, mais il n'y a aucun candidat qui s'appelle majorité. Donc par conséquent, d'accord, je demande l'annulation en tant que vote nul des 26 voix pour la liste où il y a marqué juste majorité, s'il vous plaît. On récupère tous les bulletins de majorité, enfin de la liste majoritaire avec les vôtres et on refait un tour, s'il vous plaît. On ne peut pas. Si, si. Ah, si, on revote le troisième tour. Mais non, madame Jeannet. Si, 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 si. Le deuxième mais tour, non, on le refait comme ça. Il y a un résultat. Qui donne 26 on revotera, on revote avec le même bulletin que vous avez ici. Vous les avez gardés ? Donc on va récupérer ceux que vous avez gardés. On vient de voter, vous ne pouvez pas annuler un vote. Si, mais si, vous dites que ce n'est pas valable, puisqu'on n'a pas le bulletin. Pas valable, je dis que les bulletins, tous ceux et toutes celles qui ont mis un bulletin majorité, c'est un bulletin nul. Donc il faut les comptabiliser en nul et comptabiliser les votes exprimés. C'est ce qu'on fait lorsque... Non, on va refaire un tour avec le vrai bulletin. Allez, on redistribue les bulletins, s'il vous plaît. Si, si, ben si. On avait voulu gagner du temps, mais bon, c'est pas grave, on va refaire. On vient de s'exprimer, il a été validé ce vote. Non, on refait un vote. On a dit. Alors, on y va. On redistribue à tout le monde. Oui. Vas-y, commence par là. Et on va refaire. Par contre, il faut des enveloppes peut-être après. Merci. Non, on a fait une erreur de vouloir gagner du temps. Effectivement, c'est une erreur de vouloir gagner du temps. On n'aurait pas dû vouloir gagner du temps. On est désolé. Non, mais c'est pas grave. On va revoter. C'est... Allez, on y va, on continue. On
si on participe, on cautionne l'irrégularité du point. Non, on participe pas. Mon problème, c'est tout ça, c'est valable. C'est une belle élection avec des gens qui sont déjà d'accord, c'est pas possible. C'est pour gagner du temps, monsieur. C'est juste ça. C'est juste... On va réécrire tous les noms à chaque fois, vous savez comment ça prend. Vous êtes d'accord pour écrire maintenant ? C'est dans la liste. Il y a un ordre sur la liste. On marque le quatrième de la liste ? Oui. Je dis l'ordre de marquer le quatrième de la liste. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution ? Bon, alors attendez. Balle au centre. Reprenez vos bulletins. L'administration me dit, sur les conseils avertis de monsieur Bouriaki, et on l'en remercie, de prendre un bulletin blanc. Et pour ceux qui veulent souhaiter voter pour la liste de la majorité, indiquer le nom de monsieur Franck Erimbaum, qui est le quatrième de liste. On ne doit pas mettre le suppléant ? Que le titulaire. Tu es sûr que c'est bien Franck Eric ? Madame Canodet, Monsieur Chazot, Monsieur Atlan, Monsieur Franck Herisbaum, c'est le quatrième, Monsieur Franck Herisbaum. Il ne faut pas mettre les deux. Bon, attendez. On met deux. Donc c'est Franck et Eric Sana. Excusez-moi, nous n'avions pas l'habitude d'avoir trois listes. Donc, pour la majorité, c'est Sana El Amrani qu'il faut marquer sur le bulletin blanc. On va y arriver. Avec beaucoup de cerveau, on y arrivera. Vas-y.
Saïdi. Ils y mélangent. Donc, normalement, il y en a 33. Madame El Amrani. Monsieur Dissico. Sana El Amrani. Sana El Amrani. Dissico. Sana El Amrani. 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 Dissico. Monsieur Dissico. Sana El Amrani. Sana El Amrani. Sana El Amrani. Sana El Amrani. Madame Sana El Amrani. 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 Sana El Amrani.
Madame Amrani. Sanaa Lamrani. Sanaa El Amrani. Sanaa El Amrani. Sanaa El Amrani. Sanaa El Amrani. Alors 27 voix pour Sanaa El Amrani, une voix pour Monsieur une voix blanche, un vote blanc, et 5 voix pour Monsieur Dissico. Merci. Et donc le rapport numéro 13, où son représentant, 8 titulaires et 8 suppléants, seront choisis par le directeur des services fiscaux sur une liste de 32 contribuables. Et donc, il vous est proposé la liste suivante. Pour les personnes domiciliées dans la commune, en titulaire, Christine Genodet, Jean-François Chazotte, Imen Benchek, Ramzi Hamza, Sanaa El Amrani, Thierry Chaudron, Ginny Bagé, Thierry Atlan, Paul Farouze, Jacqueline Marconi, Monique Kuzinski, Pierre Stouvenel, Christian De Barros, Gilbert Lacombe. Pour la personne domiciliée hors d'Orly, Monsieur Pasquier. Pour les suppléants domiciliés dans la commune, Madame Besnier, Monsieur Radjou, Madame Erlin, Madame Di Battista, Monsieur Kermani, Monsieur Gilbert, Madame Avilès Corona, Monsieur Bas, Monsieur Lerude, Monsieur Obis, Madame Memrop, Madame Sionis, Madame Dautry, Madame Vera, Madame Barré. Et pour la personne domiciliée suppléante hors commune, Madame Maroun. Donc, c'est à partir de ces 16 noms, il y aura un tirage au sort, il y aura une désignation par le directeur des services sociaux, puisque tous ne seront pas être pris. C'est un vote à main levée. Qui est contre ? Qui est contre, qui s'abstient, donc, et qui est pour. Donc, alors, vous êtes au clair sur les abstentions ? Alors, je reprends le vote. Qui s'abstient ? 4, 5, lève les deux mains. Qui est contre ? Et donc, 8 abstentions. Merci. Il s'agit au point 14 de fixer le nombre de personnes devant siéger au conseil d'administration du CCAS. Le conseil d'administration comprend en nombre égal au maximum 4 membres élus en son sein par le conseil municipal. C'est un bulletin au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, en panachage ni vote préférentiel. Le vote est secret. Les membres nommés le sont parmi les personnes participant à des actions de prévention. Les autres membres qui seront nommés le seront parmi des personnes qui participent à des actions de prévention, d'animation et de développement social menées sur la commune. Le conseil municipal est donc appelé à fixer à 9 le nombre des membres du conseil d'administration. Pour le moment, on vote le nombre. Donc, qui est contre le nombre de 9 ? Qui s'abstient ? Donc, rapport adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 15, cette fois-ci, désigne les 4 élus du conseil municipal qui siégeront donc au conseil d'administration du CCAS. Y a-t-il
des candidats qu'ils souhaitent participer. Je suis candidate. Madame Aït Salah et Madame Duru-Bérébi. Il manque des enveloppes. Tout le monde a... Attends que tout le monde ait les enveloppes. Voilà. Vous avez tous des enveloppes ? Oui ? Allez, on y va. Merci. Le bureau, s'il vous plaît. Liste majoritaire. Florence Aït Salah. Liste majoritaire.
Liste majoritaire. Liste majoritaire. Liste majoritaire. Liste majoritaire. Liste majoritaire. Liste majoritaire. Liste majoritaire. Liste majoritaire. Liste majoritaire. Florence Aïtsala. Liste majoritaire. Florence Aïtsala. Liste majoritaire. Florence Aïtsala. Liste majoritaire. Liste majoritaire. Liste majoritaire. Nicole Duru-Bérévy. Florence Aïtsala. Liste majoritaire. Nicole Duru. Liste majoritaire. 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 Florence Aïtsala. Liste majoritaire. Nicole Duru-Bérévy, 2. Florence Aïtsala, 6. Liste majoritaire, 27. Sont élus Karine Bétaïeb, Ginny Badjé, Kéra Sionis, et on refait un tour sur uniquement un nom, Madame Benchek pour la majorité et le nom que vous voulez pour les autres.
faut l'écrire. Les membres du bureau, s'il vous plaît. Benchek, Madame Benchek. Madame Benchek. Laurent Zeïd Salah. Madame Benchek. Madame Benchek. Florence et Salah. Florence et Salah. Madame Benchek. Madame Benchek. Imen 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 Benchek. Nicole Duru. Imen Benchek. Imen Benchek. Madame Benchek. Imen Benchek. Imen Benchek.
Madame Benchek. Imen Benchek. C'est bon ? Imen Benchek. 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 Florence Saïd Salah. Florence Saïd Salah. Florence Saïd Salah. Duru Bérébi. Duru Bérébi 2. Florence Saïd Salah, 6. Imen Benchek, 27. Donc sont élus au CCAS Madame Bétaïeb, Monsieur Bagé, Madame Sionis et Madame Benchek. Merci. Le rapport numéro 16 concerne le renouvellement à la Commission communale d'accessibilité de la ville aux personnes en situation de handicap. Cette commission est présidée par le maire ou le maire adjoint en charge des affaires sociales qui fixe par arrêté municipal la liste des membres répartis en 4 collèges, les représentants de la commune, les associations représentant les personnes en situation de handicap, les associations d'usagers des espaces et bâtiments publics et les partenaires institutionnels. Concernant les représentants de la municipalité, 2 élus, et on propose Karine Bétaïeb et M. Ginny Bagé. 2 cadres du CCAS et nous proposons Madame Aline Morel et Madame Delphine Michon. 2 cadres de la direction des services techniques Françoise Guyon, Alain Riva et 1 cadre de la DDU Madame Muriel Angibault. Y a-t-il des demandes des inscriptions pour des candidatures en dehors de Karine Bétaïeb et de Ginny Bagé? S'il n'y en a pas, on passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté à l'unanimité. Merci. Le rapport numéro 17 concerne un représentant à l'Institut Georges Méliès, le pôle d'image numérique d'Orly, en tant que membre de droit. Et il vous est proposé de... la candidature de Monsieur Yann Gilbert. Y a-t-il des candidats? Il n'y en a pas, on passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ont levé la main. Non, tu t'abstiens pas. Donc, il y a 5 abstentions. Vote pour. Et donc, pas de vote contre. 5 abstentions, le reste étant pour. Merci. Le rapport 18 concerne les désignations au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc des sports du Grand Godet. Vous le savez, c'est un parc interdépartemental qui comprend la ville de Villeneuve-le-Roi, Choisy, et le département du Val-de-Marne et bien évidemment la ville d'Orly. Nous vous proposons en titulaire Hamid Kermani et en suppléant Madame Besnier. Suppléante, pardon.
Y a-t-il des candidatures? Il n'y en a pas. On passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, qui s'abstient? Non? Donc, il y a... Boum. C'est pas facile, hein? 2, 4, 6. Madame Florence, selon vous? Ne prend pas part au vote. Le reste est... Rapport candidature adoptée. Le rapport suivant, le rapport numéro 19, concerne les désignations des délégués au conseil municipal de la Caisse des écoles. Il nous faut élire 5 conseillers municipaux. C'est un vote à main levée. Nous proposons Madame Benchek, Madame Roselyne Charlet-Lindenson, Madame Malika Vera, Madame Malika Lamba et Monsieur Yann Gilbert. Y a-t-il des candidatures? Madame Tanfouri. Madame Tanfouri. Il demande que vous votiez pour la liste opposée. Je vous le fais en traduction. On va passer aux voix. Donc, qui est... comment ça se passe, là? Ce n'est pas un bulletin secret. Hein. Bon. Qui est pour la liste représentée par Madame Benchek, Charlene Nelson, Vera, Malika, Madame Lamba et Monsieur Yann Gilbert? Qui est contre? On va commencer par qui est contre. Personne n'est contre. Qui s'abstient? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va considérer 8. 8. Qui est pour? Merci. Pour la candidature de Madame Tanfouri, qui est contre? Contre. Qui s'abstient? Qui est pour? 2 abstentions et donc 6 pour. Merci. Le rapport numéro 20 concerne les collèges et les lycées. Doivent être nommés au lycée un suppléant et un titulaire. Pour le collège Robert Desnos, la même chose. Et pour le collège Dorval, la même chose. Il s'agit du rapport numéro 20. Pour le collège Desnos, nous proposons en titulaire Madame Benchek, en suppléant Madame Barré. Pour le collège Dorval, nous proposons Madame Benchek, en suppléant Monsieur Kermani. Et pour le lycée Armand Guillemin, nous proposons Yann Gilbert, en suppléant Alain Girard. Y a-t-il des candidatures? Donc, pour les collèges, lycées, y a-t-il des candidatures? Monsieur Caplier, pour quel... D'accord. On passe aux voix. Donc, pour la proposition de la majorité, qui est pour? Qui s'abstient? 2. Qui est contre? Non, on fait comme d'habitude, pour, contre, abstention. Donc là, on en était à pour 2 abstentions et en contre. Il y a 2 abstentions là-bas. Il y a 2 abstentions et donc les contre, c'est 6. On est d'accord? OK. Pour la candidature de Monsieur Caplier pour le collège Dorval et le lycée Armand Guillemin, qui est pour? Donc 6. Qui s'abstient? 2. Qui est contre? Merci. Le rapport numéro 21 concerne la désignation des membres du conseil municipal au conseil d'école. Concernant les propositions de la majorité, je vais d'abord dire tous les titulaires et les suppléants derrière. Donc, pour l'école maternelle, Jean Moulin, Madame Barré en titulaire, Monsieur Gini Bagé en suppléant.
Maternel Romain Roland, Franck-Éric Baume, suppléant M. Kermani, Noyer Grenot, Mme Charlie-Lyne Henson, suppléante Mme Di Battista, Joliot-Curie maternel, Mme Benchek, Mme Erlin en suppléant, Marcel Cachin 1 et 2, mais Marcel Cachin c'est la même école, Sana El Amrani, Mme Sionis en suppléant. Et pour la maternelle Paul-Éloire, Malika Vera et Seydiba en suppléant. Sur les écoles élémentaires à présent, Paul-Éloire, M. Lerude en titulaire, M. Girard en suppléant, Romain Roland A, Imen Benchek, Darman Bessamy en suppléant, Romain Roland B, Maribel Avilès Corona, Thierry Atlan en suppléant, Marcel Cachin A, Ginny Badjé, Nathalie Besny en suppléant, Marcel Cachin B, Karine Betayeb, Malika Lemba en suppléant, l'école Cité-Jardin, Roselyne, Charlene Hinson, suppléant M. Gilbert, Centre A, M. Chaudron, Farid Radjou en suppléant, Jean Moulin élémentaire, Imen Benchek, Maribel Avilès Corona en suppléant, et pour l'école Joliot-Curie, Ramzi Hamza en titulaire, Josiane Dautry en suppléant. Y a-t-il des candidats pour ces conseils d'école? S'il n'y en a pas, on passe aux voix. Qui est pour la liste proposée par la majorité? Qui s'abstient? Donc 8 abstentions. Merci. Le rapport numéro 22 concerne le SAF, le syndicat d'action foncière du Val-de-Marne, qui est un syndicat qui a pour mission un portage foncier dans le cadre des opérations d'aménagement. Et nous proposons la candidature de M. Jean-François Chazotte. Y a-t-il des candidats sur ce poste? S'il n'y en a pas, on passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 8. Donc, rapport adopté. Merci. Concernant le rapport numéro 23, il s'agit de siéger au comité du syndicat intercommunal pour la gestion et l'animation du plan local pour l'insertion et l'emploi, plus couramment appelé le PLIE, qui concerne les villes d'Orly, Villeneuve-le-Roi, Choisy et Ablon. Nous pouvons siéger à 2 titulaires et 2 suppléants. Les titulaires de la majorité seront Sana El Amrani et Yann Gilbert, et les délégués suppléants seront Saïdiba et Hamid Kermani. Je pense que M. Dissico propose une candidature. Vous-même, hein, M. Dissico. Y a-t-il d'autres candidatures? S'il n'y en a pas, on met aux voix. Pour les 2 titulaires et 2 suppléants présentés par la majorité, qui est pour? Pour la candidature, qui s'abstient? Donc 8 abstentions, donc pas de vote contre. Pour la candidature de M. Dissico, qui est contre? Qui s'abstient? 6. Donc, 2 votes pour. Rapport adopté, merci. Le rapport numéro 24 concerne la commission départementale d'équipement commercial en remplacement du maire. En cas d'empêchement, donc, le maire prévoit de se faire remplacer par un conseiller municipal élu. Et nous proposons la candidature de Mme Sana El Amrani. Y a-t-il d'autres candidatures? S'il n'y en a pas, on passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 8. Merci. Adopté. Le rapport numéro 25 concerne des représentants à la Société du Grand Paris au sein de son comité stratégique. Cet établissement public est notamment chargé de préparer et de concevoir le futur réseau de transport du Grand Paris. Et nous proposons en titulaire moi-même, Christine Jeannodet, et en suppléant, Ramzi Hamza. Y a-t-il des candidatures? S'il n'y en a pas, on passe aux voix. Qui s'abstient? 8. Pas de vote contre. Qui est pour? Merci. Le rapport numéro 26 concerne la désignation d'un représentant sur l'Assemblée spéciale de l'établissement public foncier d'Île-de-France, EPFIF. Nous proposons la candidature de M. Chazotte. Y a-t-il d'autres candidatures? S'il n'y en a pas, on passe aux voix. Qui s'abstient? 8. Il n'y a pas de vote contre. Qui est pour? Merci.
Le rapport numéro 27 concerne les désignations au sein de la mission locale d'Orly, Choisy-le-Roi, Villeneuve-le-Roi et Ablon, qui avait été oublié dans dans le rapport. Nous proposons 4 candidats, Madame Sana El Amrani, Monsieur Yann Gilbert, Madame Malika Lemba et Monsieur Saïdi Ba. Je pense que Monsieur Dissico a également vous-même, je pense, hein, Monsieur Dissico. Y a-t-il d'autres candidats? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Pour les 4 candidats proposés par la majorité, qui s'abstient? 8. Qui vote contre? Personne. Donc, adopté. Pour la candidature de Monsieur Dissico, qui vote contre? Merci. Qui s'abstient? 6. Et donc, 2 votes pour. Concernant le syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, nous proposons en titulaire Monsieur Atlan, en suppléant Monsieur Bessami Darman. Y a-t-il des candidats sur ce syndicat ô combien intéressant? Non. On passe aux voix. Qui s'abstient? Donc 6. Qui vote contre? Aucun. Donc merci. C'est adopté. Ah, pour? Ah, pardon. Qui est pour, alors? Ça va, vous avez les décomptes? Et après, il y a 7 abstentions. C'est ça, abstention. Il s'agit ensuite, dans le rapport 29, de désigner le représentant à l'école de la deuxième chance. Pour rappel, le conseil d'administration est composé de 3 collèges, un collège d'élus. Et nous proposons Yann Gilbert. Monsieur Dissico, vous proposez également une personne, je pense. C'est Madame Duru-Bérébi. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas. On passe aux voix. Donc, pour la candidature de Yann Gilbert, qui s'abstient? Donc, 6. 8. 8, pardon. Qui vote pour? Et il n'y a pas. Donc, vote contre. Pour la candidature de Madame Duru-Bérébi, qui s'abstient? 6. Qui vote contre? Et donc, 2 votes pour. Le rapport numéro 30 concerne le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France. Nous avons un titulaire et un suppléant. En titulaire, nous proposons la candidature de M. Baume et en suppléant de M. Chazotte. Y a-t-il d'autres candidatures? Non, on passe aux voix. Qui s'abstient? 8. Qui vote contre? Aucun. Donc, rapport adopté. Merci. Sur le 31, il s'agit du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris-Est pour l'électricité et les réseaux de communication, le CIPEREC. Il faut également un titulaire et un suppléant. Nous proposons M. Baume en titulaire, M. Chazotte en suppléant. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. On passe aux voix. Qui s'abstient? Donc 8. Il n'y a pas de vote contre. Donc, rapport adopté. Merci. Le 32 concerne également un syndicat. Il s'agit du syndicat des eaux d'Île-de-France. Nous proposons en titulaire M. Baume et en suppléant M. Chazotte. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. On passe aux voix. Qui s'abstient? 8. Il n'y a pas de vote contre. Donc, rapport adopté. Merci. Le rapport suivant, le 33, concerne la commission communale de sécurité. Nous proposons un titulaire, M. Darman Bessami, et 2 suppléants, M. Chaudron et M. Alain Girard. Il me semble que M. Dissico propose sa candidature. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. On passe aux voix. Pour les candidats titulaires et suppléants proposés par la majorité, qui s'abstient? Donc 7 abstentions. Qui vote contre? Qui vote pour? Donc un de plus. Merci. Par rapport à la proposition de Monsieur Dissico, qui s'abstient? Donc 6. Qui vote contre? Et donc, 2 votes pour. Concernant
le comité de gestion de l'Institut médico-éducatif. Il nous faut 6 représentants. Alors, attendez, parce qu'il m'en manque un. Je propose la candidature de Madame Betaïeb, de Monsieur Ginny Bagé, de Madame Imben Benchek, de Madame Maribel Avilés Corona, de Monsieur Thierry Chaudron et de Madame Mylène Di Battista. Y a-t-il d'autres propositions ? S'il n'y en a pas, on passe aux voix pour ces 6 candidatures. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Rapport adopté. Concernant le rapport numéro 35, il s'agit de nous représenter au sein de la Société d'économie mixte de la ville de Vitry, qui s'appelle la Semise. Et je propose la candidature de Monsieur Jean-François Chazotte. Pour en sortir très rapidement, hein, mais il faut nommer quelqu'un. Y a-t-il d'autres candidats ? S'il n'y en a pas, on passe aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc 8, rapport adopté. Merci. Concernant les délégués du conseil municipal au comité technique de la ville d'Orly, nous avons 6 candidats titulaires, 6 candidats suppléants. Pour la majorité, M. Radjou, Mme Erlin, Mme Di Battista, Mme Roselyne Charlélie-Nelson, M. Le Rude, M. Atlan. En suppléant, Mme Barré, Mme Dautry, Mme Betaïeb, M. Hamza, M. Gilbert et Mme Benchek. M. Dissico, vous avez également une proposition. Bon, M. Dissico, c'est M. Dissico. Y a-t-il d'autres candidatures ? Mme Guerche. On va donc passer aux voix. Pour les 6 membres de... c'est bien un but, c'est à enlever, oui. Les 6 et 6 de la majorité, qui s'abstient ? Donc 6 abstentions. Qui vote contre ? 8 abstentions. J'ai dit quoi ? Ah, pardon, excusez-moi. Pour la candidature de M. Dissico, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Merci. Pour la candidature de Madame Cathy Kersch, qui vote contre ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Et qui vote pour ? C'était pour finir. Sur le CHSCT. Ah, 2 abstentions sur le rapport numéro 36. Merci. Sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, nous avons également 6 titulaires et 6 suppléants. Pour la majorité, M. Radjou, Mme Di Battista, Mme Sionis, Mme Dautry, M. Baume, M. Le Rude. En suppléant, M. Gilbert, Mme Betaïeb, Mme Erlin, M. Hamza, M. Bagé et Mme Barré. Il y a également une candidature, je pense, de M. Dissico. Y a-t-il d'autres candidatures ? Mme Guerche. Je passe aux voix pour les candidatures de la majorité. Qui s'abstient ? Donc 6. Pour la majorité. Les 6 et 6 de la majorité, donc 8 abstentions, pas de vote contre, adopté. Pour Monsieur Dissico, dans quel ordre ? Qui vote pour ? Qui vote pour ? 2. Allez ! Qui s'abstient ? Et qui vote contre ? Pour Madame Guerch, qui vote pour ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ?
Merci. Le rapport suivant, Madame Lemba ne prendra pas part au vote. Il s'agit de la désignation d'une personne du conseil municipal au sein de l'association Lire pour Vivre. Et nous proposons Monsieur Yann Gilbert. Monsieur Dissico propose Madame Nicole Duru-Bérébi. C'est bien ça? Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Pour Monsieur Yann Gilbert, qui s'abstient? Donc 8. Il n'y a pas de vote contre, donc adopté. Pour Madame Nicole Duru-Bérébi, qui vote pour? 2. Qui s'abstient et qui vote contre. Concernant le rapport numéro 39, c'est un rapport à bulletin secret. Il s'agit d'élire les membres représentant le conseil municipal au sein des conseils de quartier qui se composent de 3 collèges. Un collège de 6 élus, un président et 5 conseillers. À la représentation proportionnelle permettant la désignation d'un représentant de l'opposition, un collège de 8 représentants titulaires des associations et des acteurs socio-économiques qui seront eux tirés au sort, et 8 représentants habitants qui seront également tirés au sort. Sur votre rapport, page 2, il y a 3 coquilles que je vous demande de corriger. Le conseil de quartier se compose de 3 collèges, donc un collège de 6 élus au lieu de 4, un président et 5 conseillers au lieu de 3 et un conseiller municipal invité permanent au lieu de 2. Je suis désolée. On a lu et relu et c'est quand même passé à côté. Merci. Donc, on appelle en candidature Monsieur Dissico. Vous propose. Ah ben non, vous pouvez siéger que dans un secteur. Hein, donc il faut indiquer le nom de la personne que vous proposez et le quartier sur le bulletin. Donc vous proposez Madame Duru-Bérébi pour le secteur Est. Attends, vous avez noté ? Donc, si j'ai bien compris, votre liste propose un candidat sur chaque quartier. Sur 2 quartiers, d'accord. Et la liste également propose un candidat sur 2 quartiers. C'est bien ça. OK. Je ne sais pas. Alors là, je demande à l'administration. Est-ce qu'ils peuvent faire un bulletin pour soutenir... globalité. Bon, on dit là. Oui. Non, j'avais compris, Brahim, que tu voulais mettre aussi les autres pour les soutenir. Si j'avais pas... Mettre 3 noms sur chacun. D'accord, c'est bon. Ouais, c'est bon. Pour éviter qu'on y passe. Ok. D I plus loin C I 2 S I O 2 C O et Nicole Duru D U R U Bérébi. Non, il y a 2 candidats. Un sur chaque. Duru sur l'Est, Dissico sur l'Est. Monsieur Dissico Ouest et Madame Duru ou Est. Est ou Centre? Est. D-U-R-U, B-E-2-R-E-B-I. Thank you.
C'est à la proportionnelle. Hein. C'est à la proportionnelle. Les membres du bureau, s'il vous plaît. Liste majorité. Centre, Monsieur Bouriaki. Ouest, Cavrier. Est, Duru-Bérévy. Liste majorité. 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 Quartier Ouest, Sylvain Caplier. Est, personne, centre, Bouriaki. Quartier Ouest, Sylvain Caplier. Quartier Est, Madame Duru. Quartier Centre, Philippe Bouriaki. Liste majorité. 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 Est, Nicole Duru-Bérévy. Ouest, Christophe Dissico.
liste majorité. Est Nicole Duru, Pérévi, Ouest Dissico. Majorité. Liste majorité. Sur l'Est, Nicole Duru, Bérébi. Sur l'Ouest, Sylvain Caprier. Et Centre, Philippe Bouriacou. Quartier Ouest, Duru, Bérébi. Quartier Ouest, Caprier. Quartier Centre, Bouriacou. Je vais demander aux membres du conseil municipal, hormis un besoin très pressant, de se lever. Les autres s'assoient, s'il vous plaît. Ouest, Sylvain Caprier, Centre, Philippe Bouriacou, Est, Nicole Duru-Bérébi. Liste majorité. Pour la liste majorité, 27 bulletins. Après, ça se complique. L'administration. Donc il y a 5 bulletins pour Sylvain Capriguet sur le quartier Ouest, Madame Duru sur le quartier Est et Philippe Bouriacou pour le quartier Centre. C'était bien évident. Nous avons 2 bulletins ensuite pour Nicole Duru sur le quartier Est et M. Dissico sur le quartier Ouest. Et nous avons un seul bulletin pour Sylvain Caprier sur l'Ouest et Philippe Bouriacou sur le Centre. C'est bon ? Alors, sont élus au quartier Centre Madame Aviles Corona, Madame Charles Linenson, Madame Di Battista, Monsieur Atlan, Madame Barré et Monsieur Bouriacou. Au quartier Ouest sont élus Monsieur Chaudron, Monsieur Bagé, Monsieur Gilbert, pardon, Madame Vera, Madame Lamba et Monsieur Caplier. Au quartier Est sont élus Monsieur Girard, Monsieur Baume, Monsieur Hamza, Madame Dautry, Monsieur Bas et Madame Duru-Bérébi. Merci, c'est à votre honneur. Le numéro 40, il s'agit de nommer une personne qui siégera au Comité national d'action sociale, le CNAS. Et nous proposons Madame Mylène Di Battista. Y a-t-il d'autres candidatures? S'il n'y en a pas, on passe aux voix. Qui s'abstient? Alors, 2 abstentions. Combien de contre? 6. Qui est pour Mylène? Mais je sais bien. Le rapport numéro 41 concerne la désignation des membres au niveau de la commission locale d'évaluation des transferts de charges, la CLECT de la métropole du Grand Paris. En titulaire, je me propose, c'est-à-dire Christine Jeannodet, et en suppléant, M. Ginny Bagé. Y a-t-il des candidatures?
S'il n'y en a pas, on passe aux voix. Qui s'abstient ? 8. Il n'y a pas de vote contre. Donc, adopté. Merci. Le rapport numéro 42 concerne les représentants de la ville à l'EPT Grand Orly Seine-Bièvre. Nous proposons la candidature de Madame Benchek et Monsieur Renaud Lerude, qui seront donc deux conseillers territoriaux, puisque le maire siège obligatoirement à la métropole et obligatoirement au territoire. Donc nous serons trois à représenter la ville à l'EPT. Monsieur Dissico, je pense que vous proposez de ce que vous nous avez indiqué. Donc, Monsieur Dissico se propose. Y a-t-il d'autres candidatures ? Monsieur Bouriaki. On passe aux voix. Qui est pour Madame Benchek ? C'est un bulletin secret ? On peut le faire à main levée aussi. Est-ce que vous voulez le faire à main levée ou à bulletin secret ? On me dit que la main levée a été décidée et votée en début de séance, sauf pour les bulletins obligatoirement secrets. Celui-là n'est pas obligatoirement secret, puisqu'il n'est pas à la proportionnelle. Non. Non. Non, non, il n'est pas à la proportionnelle, celui-là. Eh bien, allons-y, alors. Quel philosophe. Donc, si je résume, nous avons la candidature pour la majorité de Madame Benchek et Monsieur Lerude, pour Monsieur Dissico, sa candidature, et pour Monsieur Bouriaki, sa candidature. On passe aux voix. Les membres du bureau, s'il vous plaît. Thank you.
On a dit un 35. Ouais. Liste majoritaire. 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 Philippe Boréaki. Philippe Boréaki. Philippe Boréaki. Liste majoritaire. 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 Monsieur Dissico. Liste majoritaire. Liste majoritaire. Liste majoritaire. Philippe Boréaki.
Christophe Dissico. Philippe Auriac. Alors, 2 voix pour Christophe Dissico, 6 voix pour Philippe Auriacchi et 27 voix pour la liste majoritaire. Les calculettes vont parler. Donc, sont élus pour la représentation à l'EPT, Imen Benchek et Renaud Lerude. Il s'agit maintenant de déterminer les représentants à la CLECT, cette fois-ci de l'établissement public territorial l'EPT Grand Orly-Seine-Bièvre. Et nous proposons la candidature en titulaire de Madame Benchek, et en suppléant de moi-même, Christine Jeannodet. Monsieur Dissico, je suppose, propose sa candidature, c'est bien cela. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. On fait un vote à bulletin à main levée, monsieur Dissico. Donc, pour la candidature de madame Benchek en titulaire et madame Jeannodet en suppléant, qui s'abstient? Donc, 7, 8. Donc, abstention, donc, vous aussi, je suppose, donc 8. Contre, il n'y en a pas, donc adopté. Pour la candidature de monsieur Dissico, qui s'abstient? Non, alors, il faudrait savoir, parce que là, faut... Monsieur Brahim... Non, mais parce que monsieur Bouriachi vient de dire contre. D'accord. Donc, 6 abstentions... Alors, 5 abstentions. Qui vote contre? Voilà. Et 2 pour. Merci. Concernant maintenant le représentant et ce qui sera une représentante, si vous le voulez bien, au Réseau français des villes éducatives, c'est madame ville éducatrice, pardon. C'est... Et nous proposons madame Benchek, pardon. Y a-t-il d'autres candidats? Y a-t-il d'autres candidats? Non. Qui s'abstient? Qui vote contre? Alors, 2 abstentions, 6 contre. Bravo, madame Benchek. Le 45, concernant la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, FCSF. Où nous proposons M. Kermani. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? 8 abstentions, c'est bien ça? Non. Donc, qui vote pour? Alors, ensuite, au niveau de l'établissement public d'aménagement Orly-Seine-Amont, l'EPA-ORSA, nous proposons les candidatures de M. Jean-François Chazotte comme titulaire et comme suppléant, M. Ramzi Hamza. Y a-t-il d'autres candidatures? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 8. Donc candidature retenue. Merci. Il s'agit maintenant du CICIO, le syndicat intercommunal pour l'informatique et ses outils, où il nous faut désigner 2 représentants, et nous proposons M. Jean-François Chazotte et M. Ramzi Hamza. Y a-t-il d'autres candidatures? On passe aux voix. Qui s'abstient? 2. Qui est contre? 6 ou 5? 6. Qui est pour? Merci. Le rapport numéro 49, il s'agit de désigner... Ah,
48, excusez-moi. Très bien, c'était justement pour voir si tu suivais, Sylvain. La RIVED, la Régie Autonome pour la Valorisation et l'Exploitation des Déchets de la Région Île-d'Orangis, la RIVED, ex-SIEVD pour les plus anciens. Il nous faut élire un représentant et nous proposons la candidature de M. Baume. Y a-t-il d'autres candidatures ? S'il n'y en a pas, on passe aux voix. Qui s'abstient ? 8. Qui vote contre ? Personne. Donc pour. Bravo Franck-Éric. Le numéro 49 concerne la présence de notre ville au sein du conseil d'administration de l'association Orbival, qui fédère l'ensemble des collectivités et des citoyens pour la réalisation des lignes de métro, des tramways qui sont programmées dans le Val-de-Marne. Il nous faut désigner un titulaire et un suppléant. En titulaire, je propose la candidature de M. Chazotte et en suppléant, la candidature de Mme Herlin. Y a-t-il d'autres candidatures ? S'il n'y en a pas, on passe aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 8. Donc, ces deux candidatures sont adoptées. Et l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance et je vous remercie. Bonne journée. On vous a donné la réponse. Les questions écrites sont à envoyer 48 heures avant le début du conseil. Et il est question de travailler, puisque vous n'étiez pas là, hors PV, hein.